Mais il y a combien de... Moi le lettrage, je peux forcément faire un lettrage, tu vois. Bon, c'est plus une photo de Martha qui veut reprendre. Qui veut faire un trajet et faire, tu vois, faire un lettrage Congo, mais sur un train, quoi. Tu vas me dire. On va bien l'entendre quand même. Un truc un peu un hommage à Martha Power par rapport au plein boulot. Deux photos en fait mixées ensemble. Avec un truc un peu central par rapport à un trajet, et ça peut permettre de partir. Genre. Où je vais kiffer, train, hein, tu vois, en gare foncée, les rails font, tu vois, découpe comme il disait la silhouette, de l'autre côté, vois, exemple, pont, Hakim, lui, avec Boy B, avec T-Sketch et tout machin sur le pont. C'est lui qui le fait, d'accord. Derrière, on peut enchaîner. Ce qui serait bien, c'est que ce soit par exemple une fausse affiche dans le mur. Les gens entre nous, entre ces deux trucs-là, il y a moyen de jouer. Moi, j'ai pas envie qu'on s'enferme dans ces trucs-là, parce qu'au final, qui c'est qui fait la fausse affiche? Moi, j'ai ma ce pied, moi, non. Et c'est voilà. Non, je sais que moi, ce que je veux surtout, c'est que chacun ait son que truc. Après, que ce soit un faux poster, un faux truc, un que personne ne veut finir, ça, même moi, je m'en tape. Même moi, je m'en tape pas. C'est quoi sinon les idées? Mais sinon, oui, sticker, poser sticker, pas de problème. Moi, poser des photos, tu vois, genre plusieurs photos qui sont comme ça, tu vois. T'es ou pas? Bah ouais. Pas dans les pas, c'est bon, en s'adaptant. Je peux faire juste un trajet des fraudes. En s'adaptant. Et je reprends une photo et puis je suis bien. En gros, lui avait une grosse basket avec un lettrage dessus. Ou Ken Swift, l'histoire du bras, ou les platines, tu vois. Non, mais les platines. Les platines, ça prend au moins ça. Avec la chose. C'est ça en gros, non? T'as pas compris ça? Le truc avec les vagues. Franchement, file-moi un décoté, moi. Parce que là, c'est pas énorme, là, ce truc. C'est énorme. Là, ça veut dire que sur la face, là, il y a que le hip-hop. Moi, celui-là, là. Il y a que les hip-hop face, là. La plaque face, c'est machin. Moi, je prends celui-là, là. Je prends un décoté si c'est possible. À bout, quoi. Pas tout. Le bout, c'est la porte là-bas. Qu'est-ce que tu fais des trains, ça? Non, qui veut pas. Lui, il veut faire les mecs avec les bras, là, c'est cool, là, tu vois. Tu vas faire à droite. Là, sur le côté. Après, en fait, moi, je vais agrémenter de petits persos. Puis tu vois là, Alex. On va faire un petit Martha, une petite Martha Cooper avec un karma, tu vois. Vas-y. Tu fais Martha Wazir. Bah oui. Bah, moi, le délire wagon, je trouve à droite, c'est bien, là. Pourquoi vous voulez pas continuer les wagons, là? Refaire du wagon. On a mis là-bas. Bah ouais. Ou un autre angle. Que ça ressorte, ça pourrait être super bien. Peut-être juste de toute façon, on peut faire plein de trucs. Mais oui. Moi, j'aime bien les ambiances de rue Martha Cooper. Ce qu'il disait, là. Ouais, mais c'est moi, franchement, je trouve que c'est balèze à faire. Voiture foncedée, 3-4 marmots. Moi, je. Ouais, voilà, faut avoir envie de la faire, la voiture foncedée aussi. Moi, personnellement. Ok, t'es chaud. On va spécialiser la voiture américaine. Donc, maintenant, combien ça fait de trolls? Ah, il manque le Ghetto Blaster. Fais un petit. Ouais, ah oui, oh là là, le Ghetto Blaster. Ouais, ça, c'est mieux à la limite que le bras avec le Ghetto. J'en ai déjà fait un Ghetto Blaster aux États-Unis, je vais en faire un deuxième. Ghetto Blaster, je me suis déjà fait chier à en faire un immense. Je connais la télé, hein. La télé, c'est des lignes droites, des tons. Vas-y, moi je me mets sur la chose. Ah ben ça m'intéresse, mais je te. Voilà. C'est bien. Ah, ça tue. En plus, vous non, mais c'est ça que je voulais. Combiner les trucs un peu. Non, mais on a déjà peint ensemble. On a combiné Prosper. Jamais il a pas goûté basket. Non, ça on n'en veut pas. On veut bien. On veut basket peindre. On veut bien peindre dessus, mais ça va. Ah, mais tu verras que j'essaye pas de te les refiler. Non, mais carré. Tu vois ouais, d'accord, mais aussi, je t'ai pas dit en échange. Ah, c'est bon. Non, c'est clair, tu t'as pas proposé de me les prêter. Ouais, c'est, ouais, c'est des comme ça, ce qui est bien, c'est que je peux faire ce que je veux. Il est où, il est où, Alex, le quimbou là? Qui font bubble, tout. Bah, ouais, tranquille. Non, mais tu la customises là, pour. Voilà, c'est ça qui est bien. Bon, c'est ce que je voulais. Je voulais pas refaire en plus en prose sur le truc, t'as vu, c'est frère. C'est bon. Ça ferait, tu vois, la partie à The Pro, ça m'énerve. J'avais soumis ça comme idée, quoi, après. Donc, tiens, ouais, ah, c'est projet, ouais. C'est un projet. C'est ça l'idée? C'est ça? À qui? Back.
On présente. C'est des photos d'époque et tout. C'est du... Tu sens qu'elle aime les gens. Elle est anthropologue en fait. Elle n'est pas que photographe. Et les gens l'intéressent. Tu sens que les gens l'intéressent. Là en fait, je veux rendre hommage à Dondi par une photo super célèbre de Martha Cooper. Et qui est parue en plus dans le bouquin Hip Hop Files. Et en fait, je marque mon nom, mais de le même délire que la photo de Martha Cooper en fait. On rêve tous de faire ça en tant que graffeur, tu vois. On n'ose pas le faire. Tu vois, c'est trop abusé, quoi, tu vois, marquer ton nom à la façon dont on dit. Mais là, pour ce moment-là, justement, pour ce mur, dédié, tu vois, Hip Hop Files, toute cette époque-là, quoi. Ben voilà, ça me fait plaisir de le faire, en fait, tu vois. Je kiffe grave. Je sais pas si elle se rend compte de l'impact qu'elle a sur le mouvement graffiti. Je pense qu'elle en est un petit peu consciente, comme elle disait hier, je pense. Hein. Elle est étonnée que ça dure encore, mais je sais pas, c'est par modestie, je pense. C'est sympa comme délire. Tu dis, elle a traversé l'histoire avec son livre et elle connaît les graffeurs du monde entier. Tu lui rends hommage comme ça, non, ça fait plaisir. Ah, c'est un peu de nostalgie, tu vois, on fait des trucs old school et l'idée est sympa, quoi. Casse tous les pecs. C'est terrible. Très belle évolution depuis hier. Celui qui a fait la chaussure, c'est un tueur à gages. Ah, celui qui fait la chaussure, là, franchement... Je sais pas quelle pompe ils ont pris, mais elle est fatiguée, quoi. J'aime beaucoup la peinture, moi. C'est de la balle. Très bon. Ah, ça va, elle tape la fresque. En un seul mot, c'est ça. Je peux même pas dire une préférence, quoi. Mortelle. Astounding. I don't know, do you remember yesterday the purple was... He covered the purple with yellow. But I can't read the name. What does it say? Pest. P-E-S-T? Yeah, it's not my name. Yeah, okay. Well, his. Here. Yeah, okay. This guy. This guy. Okay. And did he do the WAP song? He did the lettering, or you did the letter? I do. Oh, you did it for him? Yeah. He let it. Yeah. How come you didn't put your name on there? No. That's mine. Hi. Hey, you let him put your name up, huh? What? Tu kiffes que j'ai fait, que t'as fait tourner sur ton nom sur ma chose. He told you he did the shoe. He said he did the name. He said he did the name? No. You did the name? I did the name and the shoe. And the shoes. Okay. The first time he don't want to do the shoes together. Oh, okay. He did the sketch. Exactly. Oh, he did the sketch. And you... Clean that. The real version. Yeah. Very cool. Really Thank cool. you. C'est très décoratif, c'est vraiment des pros, hein. Il n'y a que ça à dire. I think it's more a tribute to Dondi. I think it's wonderful that Dondi is, we all still are thinking about Dondi. Yeah, really good job. Don't you think I think it's wonderful that he takes this picture, which is not so interesting, and can make a completely new work from this. Like the picture just was an inspiration, and I love that idea. Il veut prendre la photo en elle-même avec
la tête, la gueule, la pose du mec, je préférais prendre un détail. Quoi. Pour moi, la pose du b-boy, c'est vraiment la pose qu'on peut retrouver dans toutes les photos qu'on a prises de nous quand on était minot devant nos fresques, les bras croisés, la pose des b-boys qui se regardent, enfin au niveau de la danse, quand ils attendent de leur tour, etc. Ils tapent la pose, etc. Après, dans le rap, t'as toujours eu 2-3 mecs, genre les Run DMC à l'époque, qui étaient avant de commencer le concert dans la pose. Donc pour moi, au-delà même de la tête, il y a une gestuelle, il y a des poses, il y a des signes de main, comme on avait le signe Zulu à l'époque. Peut-être qu'on exploite moins maintenant dans les poses, parce que ça commence à faire un peu ridicule de faire ça des fois. Mais cette pose-là reste, quoi, pour moi. Donc au lieu de faire une tête d'un mec, etc., il y a des fois, je trouve que la pose, elle parle d'elle-même. Martha Cooper, c'est une photographe qui a couvert les premières années, les balbutiements du hip-hop à New York, et ensuite à travers le monde. Et c'est pour nous, pour toute cette génération, finalement, c'est elle qui nous a initiés au graffiti par les bouquins qu'elle a publiés à l'époque, en 85-86. Alors, Right. But he's tense with himself. We'll be here this weekend. So what's up? You hanging in there? Yeah. So far so good? Yeah. Good. So far, I like so good. This is nice. Yeah, come here. You gotta see. Yeah. Well, actually, two things. Okay. Come on. Well. Oh, you know who this is? Yeah, no. You ought to know who this is. This is Martha Cooper. She's like one of the home. She's like one of the fellas from back in the days. That's what I was telling him in the class. It's beautiful, man. Yeah. What? You remember me? What? I remember your face. You're his friend. Such. Yeah, such. Yeah. Oh, you was in the city? Yeah. Oh, okay. We spent a day together. Yeah, okay. We've been to Brooklyn. Oh, okay. Beautiful memories. I take pictures now forever. Pictures are forever. So I'm bugging out. Yeah. I gotta go stand behind the wall and stick my little head over there. That would be so cool. Let's see how can he get up there. Put my neck right. Right. Yeah, that's hot it. Though. That's a good job. It looks real crisp. Okay, so go stand there. Come on. Oh yeah. Let's get it over. We gotta do this. Yeah. Let's take it back to the old school. 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 C'est les vaisselles, c'est qui fait nous. Il n'y a pas de chef, c'est ça que je veux dire. Ah, mais il faudrait faire un truc hein, sur les gitans, puisque c'est le quartier gitan. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Ah, mais oui, parce que ça ne veut rien dire. Hein. Ah, marqué, je sais pas moi, là. Chez les gypsies, les trucs ou chez les gitans. C'est l'accent attitude du sud. Parce que les mecs du sud, ils ont une putain d'attitude. Qu'est-ce qui est écrit hip-hop, non? Hip-hop. Ouais. Et à rose, vous marquez Gypsy. Ouais, bonne ambiance, on est en train de faire la grillade là. Voilà, c'est déjà tout organisé presque, on va dire. Le mec en rouge là. Voilà, il a tout acheté de sa poche quand même. Ah, la vie est au top, hein. Regarde, on a fait l'accent et tout. On est chez nos potes, les gitans ils nous font ils ramènent les barbecues, tout, qu'est-ce qu'il y a. J'ai fait des disques et tout avec eux. Après j'étais avec Gypsy King tout ça quoi. Bon, on va faire un truc bien, il faut qu'on fasse un truc. Ouais parce que bon, c'est bon ça veut rien dire, c'est d'accord. C'est rappeur, c'est... Really good job.